Le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan SICA a ouvert ses portes ce lundi 20 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Objectif principal, discuter des défis et opportunités du secteur, mais également promouvoir la création d'emplois durables dans un environnement numérique en constante évolution. Le SICA veut être ce studio à ciel ouvert, avec comme scène et décor tous vos projets de réalisation. Le SICA veut écrire avec vous de beaux scénarios qui vont nous permettre de produire des contenus authentiques, originaux, inspirés pour les chaînes de télévision, les médias en ligne, les réseaux sociaux de notre continent et pourquoi pas du monde. Pour cette première édition, l'accent est mis sur le potentiel des technologies numériques. Plateformes de streaming, réalité virtuelle, intelligence artificielle, voici les sujets au cœur des échanges. Le SICA est bâti autour de deux pôles. Il est un espace de rencontre entre distributeurs et producteurs de contenu pour établir des relations d'affaires. Le SICA fermera ses portes le mercredi 22 novembre 2023, co-organisé par le ministère de la Communication et celui en charge de la culture et de la francophonie. Le SICA s'engage à renouveler les bases d'un écosystème audiovisuel et cinématographique africain solide, capable de fournir des emplois durables pour les talents locaux.